Salut tout le monde! On est à l'école Lestrade à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord, et on se retrouve actuellement sur une plage! Ben oui! Jen, c'est quoi ça? Ben, je m'en vais m'amuser, c'est tellement beau ici! OK, non mais... Jen, on est en novembre! On est sur la Côte-Nord, on n'est pas à Cuba, Jen! Bon, ben je vais la laisser s'amuser tout seul, je pense. Hey, je vais aller me réchauffer en dedans, moi je vous laisse avec les pros du cardio. À tout de suite! Oh. 3, 2, 1, chouin! Les pros du cardio présentent la première édition des Jeux olympiques d'automne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épreuve de volley-ball de plage. Hey, salut Marianne! Salut Chloé, ça va bien? Ça va toi? Très bien. Hey, volley-ball de plage, Marianne, tu vas être trop bonne là-dedans. Mais comment ça? Ben, patinage de vitesse, volley-ball de plage, c'est quasiment la même affaire. Tu remplaces la glace par du sable, puis les patins par un ballon, puis c'est identique, là. OK, la gang, OK, Marianne, la partie commence. On se met en position pour recevoir le ballon. Faites comme nous, on sautille d'un côté à l'autre. C'est parti! Là, on a besoin de votre aide, vous devez faire comme nous tout le long. Allez, hop, hop, hop! Attention, l'adversaire est au service. Tout le monde sait comment recevoir un service? OK, je le remontre. On se penche d'un côté, on le prend. On va l'autre bord, on le prend. On en fait 6 comme ça. Boum! Excellent! Un dernier l'autre bord, Marianne. Tout le monde, hop! Et on se remet en position. Toujours à la rue. Excellent, tout le monde. Hop, hop, boy! Ça va avec une autre série de 6. OK! On est au service, c'est parti! C'est parti! À droite! À gauche! On fait bien ça, allez! Excellent! OK! On fait des manchettes, plie, manchette, et reviens. Le ballon est notre bord, let's go! Hop! Excellent! Bravo tout le monde! Restez avec nous! Excellent! OK! Les ballons arrivent de plus en plus vite! On accélère! Et on garde le rythme, tout le monde! Wouhou! Ça va bien, ça va bien! Bon travail, tout le monde! Encore 2 autres! 1! Dernier! 2! OK, on finit ça avec des smashs! Et smash en haut! Plie! C'est parti! Allez, tout le monde, smash jusqu'à la fin! On peut changer de main si on veut. Tu marches à gauche. Et ça saute, et ça saute, et ça saute. Tu marches à droite. Let's go, tout le monde. On alterne. À droite, à gauche, à droite. Excellent. Bon travail, tout le monde. Jusqu'à la fin. C'est fini! Wouhou, super! Hey, beau travail, tout le monde! Hey, moi, je l'ai toujours dit, hein! Tu fais pas de smash, t'as cassé des œufs! Ça, c'est sûr! Alors, ben écoute, nous, on s'en va dans une prochaine capsule, tout le monde! Bien joué! Bye! Ah, on est tellement bien! Jen? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je me fais bronzer! C'est si bon! C'est vrai que c'est relax, hein, une chaise. Mais on peut aussi bouger sur une chaise. Oui, oui, je sais. Léa, Oli, êtes-vous prête à bouger avec moi? 2 minutes. Oh, OK. 2 minutes, c'est bon. Tenez, un peu de soleil. Posez-vous.
prêt? On y va! Et c'est le moment de faire de l'exercice avec nos chaises. Êtes-vous prêts, les amis? Oui! Plus fort que ça? Oui! Génial! On se lève debout et on se place à côté de notre chaise. Notre chaise qui est placée à 90 degrés comme ça. On commence avec le piston. On va soulever la jambe gauche et on va faire des squats avec notre jambe droite. On y va pour 15 répétitions. C'est parti! 1, 2, 3, 4. Exact! On garde le dos bien droit. Vous êtes excellent. On lâche surtout pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bravo! Vous êtes des champions. On soulève l'autre jambe, la jambe droite, et on y va pour 15 répétitions. C'est parti! 1, 2, 3. Le dos toujours bien droit. On y va à notre rythme. Si vous avez un rythme plus lent, c'est normal. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bravo! On garde toujours le sourire. Oui, super! On déplace notre chaise comme ceci vers l'avant. Maintenant, on va faire des levées de jambes vers le côté. D'accord? On place nos mains comme ça sur le dossier et on va amener notre jambe droite vers l'extérieur. On y va pour 15 répétitions. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Ça travaille les fessiers, ça. Hein? On le sent bien? On le sent? Oh my God, oui. Ah! Suite. 9, 10. On lâche pas. Vous êtes excellent. Deux autres. Et c'est terminé pour la jambe droite. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On est parti. Toujours bien important de prendre de l'espace hein, pour faire ces exercices. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça va toujours bien? Oui! Vous êtes génial. On va passer en avant des chaises maintenant pour placer nos mains sur le siège, d'accord? Et placer nos jambes à 90 degrés. On va faire des levées de genoux en alternance. On y va pour 20 répétitions. C'est parti. On commence avec la droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais! On dirait une marche militaire. Il y a des petits soldats. On continue, on lâche pas. Les soldats sont en forme. C'est bon, si on fait du bruit. 15, 16, 17. Moins de bruit. 18, des petites souris. 19 et 20. Vous êtes excellent. On peut y aller pour le dernier exercice. On s'installe sur le bout de sa chaise, on porte le corps vers l'arrière et on place nos mains sous nos fesses pour ce qu'on appelle les ronds de genoux. Vous allez tourner vos genoux en sens horaire, donc de droite à gauche pour 15 répétitions. C'est parti! 1, 2, 3, 4, c'est ça! Ça, ça travaille les abdominaux! Oh oui, on peut effectivement perdre l'équilibre. Il est bien important de se tenir vers le dossier de sa chaise. 12, 13, 14 et 15. On y va en sens inverse. Êtes-vous encore capable? Oui! Oui! C'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5. On lâche pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14! Et un dernier 15e! Bravo! 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 Yeah! Vous aussi! Jen? Ouais? Fini le bronzage? Oui, c'est à mon tour d'aller bouger! Allez, tout le monde à l'eau! Venez-vous-en! Hein? Wouhou! Et Gaspard! Non, Liliane! Oli! Charles! Ils savent-tu que l'eau est vraiment froide ici? Bon, ben, je vais aller mettre mon wetsuit, moi. Hey, dans le fond, là, Jen a raison. Même si on est sur la Côte-Nord, faut profiter de l'extérieur, hein? Venez, on va aller rejoindre ma gang de danse, moi.
bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Dans ta vie, tu vas passer plus de 52 000 heures à rêver. Pourquoi? Ben parce que les rêves, c'est... En fait, on sait pas à quoi les rêves servent. On les étudie présentement en laboratoire avec une grande rigueur scientifique. Une hypothèse plausible, c'est que durant le sommeil, le cerveau organise les apprentissages et les souvenirs de la journée. Les rêves seraient donc un symptôme de ce processus-là. Moi, je sais pas pourquoi je rêve que des fourmis qui me chatouillent les pieds, mais j'aimerais vraiment ça qu'on me l'explique. Selon certaines études, les cauchemars représentent environ un rêve sur 30 et seraient plus fréquents avant l'âge de 11 ans. Clairement, les cauchemars, c'est désagréable, mais d'un autre côté, il y a des rêves qui sont plutôt utiles, parce que oui, il y a plein de scientifiques qui font des découvertes pendant leur sommeil. C'est donc à l'oreiller qu'on doit l'invention de la structure moléculaire du benzène, de la machine à coudre et du tableau périodique! Hey, bonne nuit tout le monde! Mais là, dormez pas si vous êtes en classe, hein! Les gars, ça vous tente pas d'aller en vacances? Mais il semble qu'on est dû pour relaxer. Ah ouais? Okay. Ouais, ça vous tente? Ouais. Prenez vos choses de plage. OK. Yes! Ouais. Oh, c'est parfait. Bon! Oh. Ah. Merci. On est prêts pour aller à la plage. Ah. Fermez vos yeux, faites-le avec nous. Mm-hmm. Donc, on ferme les yeux et on s'imagine qu'on est assis dans le sable chaud de la plage. Et là, on admire le paysage. Ah, que c'est beau! Ah, entendez-vous? C'est le bruit des vagues. Ah, respirez l'air marin. Donc, on prend une grande respiration et on en profite.
ça fait du bien. Et maintenant, je pense que les nuages se tassent. Ah oui. Et là, le soleil nous réchauffe la peau. Ah oui, c'est chaud, ça fait du bien. Ça donne le goût de s'étirer les bras dans les airs. Jusqu'au ciel, on touche. Et là, tranquillement, on va toucher le bout de nos orteils. Tranquillement, on relaxe. Ah, que ça fait du bien. Oui. Et on revient tranquillement. Et que c'est fun. On est bien. Oh! Sentez-vous? Il y a un peu de vent. On respire encore une fois l'air marin. Le vent, il est chaud. Ah oui! Et que c'est confortable. Entendez-vous? C'est le bruit des macareux. Oh, il y a des macareux sur la plage. Ah oh, ouais. On est vraiment bien, Havre Saint-Pierre. Oh, ouais. Ici, à l'école Lestrade, les professeurs mettent à disposition des élèves des bacs bleus comme ceux-là. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, la marche, force 4. Ça va m'aider. Un tapis de yoga, force 4. Mmh. Ah, le dé. Force 4. Ouais! Des balles de jonglerie! Oh, ça, je peux pas te cacher. Ben! Tu sais pas quoi? Il y a des élèves qui ont dit qu'ils ont vu des macareux à la plage! Hé! Hey, je veux voir ça! Je veux voir ça! Attends, tu vas me demander. On s'en va demain, nous autres. Salut! Ciao!